pas une arme faite pour se battre dans ce genre de couloir. Du guerrier anonyme. Oh putain non, un trou. Oh putain non 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 non. Ça. Quand il y a du gaz, vaut mieux en sortir. En plus, si le symbole mort veut dire peste comme dans le 1, enfin dans Dark Souls, dans Demon Souls, je veux dire. Il vaut mieux ne pas rester au milieu. Je comptais pas tomber ici. C'est une erreur stratégique. Une erreur qui va se payer dans le sang, je vous le dis. Ce que je crains, c'est que ça se paye dans mon sang. Si tu veux pas venir, tu veux pas venir. Je vais pas te forcer. Oh putain, à mon avis, c'est pas passé loin. Ça va qu'ils sont un peu lents. Parce que je pense qu'il y a moyen de s'énerver. Anneau de l'œil maléfique. Luce. Donc je me rends bien compte que j'avais dit qu'on irait chez le roi des rats. Toutefois, il semblerait que je me sois perdu. Et voici le retour des rats. Donc on doit être sur la bonne route. Je vais passer du nom. Thank you.
C'est énorme parce qu'en fait le bruit de la cascade cache totalement le bruit des rats. Du coup en fait on les entend pas du tout. Je suis sûr qu'avec une boule de feu, c'est one shot. J'en suis sûr et certain. D'accord. Donc si je me trompe pas, le point de sauvegarde est là à gauche. Ce qui va nous permettre de monter en plus un petit moment détente et de niveau. Donc on va monter ses points de vie. Donc maintenant il nous reste l'endurance et la dextérité à monter. La dextérité parce que beaucoup d'armes en fait utilisent la dextérité pour être équipées. Beaucoup d'armes qui m'intéressent en tout cas, genre des épées quoi. Et du coup il y a beaucoup d'armes aussi qui ont un double bonus en dextérité force. Et là encore beaucoup d'armes qui vont m'intéresser parce qu'il y a beaucoup d'épées. Des rats, il est là-haut. C'est pas du tout par là que je dois aller. Hi, Shemai. And good day to you. I'm Donlan of Xena. I'm just a peddler of sort. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Épée droite cristalline. Oh, espadon de cristal, bouclier de cristal. Putain, ça a l'air bien ça. Épée droite. Autrefois propriété d'un mort-vivant, cette épée est à moitié cristallisée, elle l'est aujourd'hui entièrement. Cela augmente sa puissance d'attaque, mais la fragilise. Elle s'use très rapidement et ne peut être réparée. Ah ouais, non mais c'est pas drôle ça. Dommage. Les flèches, casque du sage, donc ça c'est plutôt pour un build
magicien, je pense. Défense magique. Curium provenant de l'ancien pays de Zena, de naissance de l'étrange marchand. La légende veut que ces deux cornes représentent la sagesse. Représentent la gloire du vainqueur. I'm afraid I don't see anything here. I'm afraid I don't see anything here. Soldat requis. Pourquoi? Attention, dragon droit devant. Carrément dragon. Je suis pas en train de vous monter la tête, les gars. Quoi qu'il y aura la place. Hein. Non, j'ai peur. Faiblesse derrière. Ouais. Alors pas d'être lourd, car au lourd. Faiblesse foudre. Il y a vraiment un boss. Je voulais tuer le roi des rats. La tête qui fait ridiculement petite. Oh, ce corps! Ce corps, les gars! D'accord. C'est pas ça qu'il fallait faire. Pas trop s'approcher des pattes, si j'ai bien compris. What? Oh, comment il est beau. Le truc c'est que je peux pas mettre de pouvoir sur mon arme. Pas avec celle-là. Du coup, il faut que je change d'arme pour pouvoir mettre du pouvoir dessus. Je garde les âmes pour plus tard en fait, dans le sens où je sens qu'on en aura besoin. Et ce flux,
ça, c'est pour le marche, le forgeron. Et comme le forgeron a réussi à taper dans votre coffre sans que vous soyez devant, il y a besoin de garder tout devant vous. Est-ce que je peux la porter maintenant, celle-là? C'est 18. Je crois que je suis encore un peu trop faible en dexte. Ah mais j'avais que de la gargouille. C'est ah, il faut 32 de force pour ça. Et celle-là c'est combien? 16-12. Ça peut être intéressant. Je vais pas vous le cacher. Je suis plutôt ambiancé par tout ça. Je me disais, j'avais goûté des sets complets aussi. Un cure nord, un mur en cure nord, un masque de voleur. Je sais pas si on va pas passer sur une autre arme. Servir. Franchement, je crois que la hache ça passera mieux. J'ai l'impression qu'on est. On n'est pas doué pour cette arme. Alors, c'est cette arme qui est pas douée pour moi, mais. Ah oui, c'est vrai qu'elle offre des bonus de résistance. Pas dégueu. Non, je peux le tuer là? Ça fait quand même nettement moins mal que ce que je porte d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est que cette fois, on va mettre la résine de pain doré dessus. Ce qu'on va mettre sur les lits. Et il y a là.
comme dirait l'ancien. Il faut bien commencer quelque part. Putain, il est tellement magnifiquement dégueulasse, quoi. Je veux pas être méchant, mais je lui ai fait zéro dégâts, donc je vais retourner sur mon épée. Elle est mieux, elle est plus rapide. Parce que les trucs de pain, ça a pas marché. On s'en fout aussi. Pas un truc pour rappeler le nom de pote là. Je sais pas précisément ce qui me tombe dessus une fois de temps en temps, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui viennent à moi automatiquement. Abobon plastique. Fantastique. Putain, merde, on n'est pas passé à 20 morts. On essaye encore une fois et après on part du principe que comment dire, c'est pas le moment. Surtout qu'on était censé aller chercher le roi des rats, pas le roi dragon.
sais pas dans quel monde le dos c'est sa faiblesse, mais c'est pas très visible quand même. En fait, quand il est relevé, il peut utiliser sa queue, d'accord. Donc quand il est relevé, on n'avance pas. Après, il a l'air d'avoir une super inertie en fait quand il avance. Coup ça me semble faible, mais bon c'est mieux que rien. Là vous le laissez avancer vers vous, je t'ai remis en mode dragon, là tu vas avancer comme un gueudin. Arrivé chez lui, hop. Là il se relève. Il se lève dans les ciels. Oh. Putain, non. Dès qu'il est relevé, il peut utiliser sa queue. Donc faites bien attention, dès qu'il est relevé, il utilise sa queue. Et ça fait mal. Et pas qu'un peu. Par contre, il reste très court. Là tu te recules parce que sinon tu te prends un coup de queue. Allez Bakael, allez allez allez. On a bien compris le boss. On a bien compris qu'on allait se faire latter. Je devais être trop loin en fait. Ah oui c'est vrai, il y a le double tap pour prendre deux fois la potion d'Estus. Attention, attention! Putain. Donc normalement, si tout se passe bien. On l'a plus ou moins tué. L'a tué et c'est le GG! Du hameau du crépuscule. Les humanités jumelles, l'os du retour. Pas d'âme. Ah, 25 000 âmes. Ça, c'est un million. Ça, ça fait du plus. Ah. Tout de suite, vous vous sentez mieux quand même. Donc là, y a rien. Là y a rien non plus. Partons du principe que là y a rien. Pour vous dire qu'avec 25 000 âmes, il est hors de question que je saute dans le trou. Je vous le dis avant que vous me disiez ah mais fallait sauter dans le trou. C'est cela, oui. Montez dessus. Plus rien. On va juste retourner en arrière quand même. Bonjour. La foudre. Franchement, la foudre, je suis pas sûr. Hein. Parce que mon arme, bon, elle faisait pas beaucoup de dégâts de base, certes, mais même avec la foudre, elle faisait pas grand chose. Hein. Franchement, c'est encore à prouver que la foudre marche contre lui. De mon point de vue, ça a prouvé quoi.
puis alors la foudre contre des morts vivants. Le concept m'étonne quelque peu. La clé du hameau du crépuscule. Ouais, mais c'est pas là que je veux aller, moi. Moi, je veux aller tuer le roi des rats. Juste. S'il y a une échelle là. Il y a l'air d'avoir un gros monsieur avec une grosse épée. Donc on ira plus tard. En plus l'ambiance change du tout au tout. Les stocks. C'est marrant. Je vais pas lui mettre un coup des stocks. Vous êtes pas vrai. Well, that is a shame. Rien d'intéressant mon petit. Shame, shame. Parfois, je t'achète ce que tu veux si tu me donnes des trucs intéressants. Moi je suis du genre acheteur compulsif en plus, donc si tu me donnes des trucs marrants, je viendrai acheter. Faut trouver le trou que j'ai raté pour aller chez le roi des rats. Oh putain, non, pas par là. Bon, la vidéo s'appelle le roi des rats, donc il faut trouver le roi des rats, les amis. Sinon, le nom de la vidéo n'a plus aucun sens. Désolé de vous imposer ça, hein, mais... Je suis sûr qu'ils ont une histoire, ces tas de morts. Du coup, c'est pas marrant. Essayez chevalier. Ouais mais non. Je vais pas respecter mon personnage maintenant. C'est dommage, y'a pas grand chose, on pouvait encore monter la Dex. Donc là, il y aurait 6000 âmes. Il en faut 7000 pour monter un niveau. Donc on va retourner chercher la porte du roi des rats. On va continuer à chercher jusqu'à qu'on la trouve. Clairement. La vidéo ne s'arrêtera que quand on aura trouvé le roi des rats. Ça doit pas être par là, ça doit être par là.
que je trouve comment les autres côtés. Le magicien ne repop pas. C'est quoi ce bordel? Comment ils ont fait pour esquiver mon bouclier là? Mais merde, j'ai pas le bon objet. Son calme, zen l'exomil. Tu fais de la merde, c'est bon, on assume. Je vais peut-être devoir embraser ce feu si ça continue. Quand j'ai battu l'hydre, je devrais pouvoir battre le rat maintenant. Tu le sais, ça fait 4 fois que tu te fais prendre dans le piège. M'énerve quand je joue comme ça. Non, ça c'est le piège. Non, on finit là où il y a les sortes de crapauds aux gros yeux. Sur 3, le troisième va y passer. Mais il est là, le roi des rats! Voilà, vous voyez, on finit par le trouver. Il a une attaque. Mais c'est pas un boss en fait. Ok. Il est là.
grosse hache plantée dans la tête quand même. Je me dis que je dois pas être le premier à l'attaquer. J'ai que ça en flèche. Faut que je trouve comment en montant. Ça fait que deux fois d'affilée que je fais la même connerie. Putain, elle est toute petite la barre. Faut vraiment pas rester longtemps là-dedans. Oh putain, il faut tomber chez le boucher pour arriver là-haut. Et bien sûr, il y avait un trou chez le boucher à l'arrière. Où tu finis au-dessus du roi des rats. Putain, mais quel... J'aurais dû y penser tout de suite. Parlons pas de mon intelligence ce matin. En tout cas, j'ai fini une zone, il semblerait. Ah, il me semble. Oui, yes.
ouverture vers la suite. Ce qui, en théorie, ne devrait pas être long. Vu que c'est à la suite de ce passage. Putain, le poison monte super vite quoi. Ah ouais, il descend aussi super vite. Oh, c'est par là. Où est soit le soleil. L'effet de lumière qui disparaît d'un coup quoi. Attention, gros tas droit devant. Ah ouais. Attention, poison droit devant. Essayez combat à distance. C'est pas trop mon truc. Putain, on dirait le niveau le niveau du poison justement dans Demon's Souls. Donc il est à la fois gros, imposant et en plus le machin a quand même le poison sur son arme, parce que on l'est ou on l'est pas hein. Essayez parade. Oui, non, j'ai essayé, ça n'a pas passé. Battez la cible. Soldat Rocky. Hameau du crépuscule. On dirait Blight Town, ou je sais plus comment elle s'appelle. Blight Town. Le truc où ils jetaient les bébés dans Demon's Souls. Pour se battre contre des ennemis pareils. Tourte à la bouse. Oh, mais ça marche, ça. Alors vu la couleur de la peau, j'imagine que c'est empoisonné ces machins. Non, ça va.
puissant de roi devant. Ça. Ah ouais. Le machin m'avait quasiment empoisonné quoi. Ouais, va falloir une autre armure je pense parce que là. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à cette ville que je vous dis. Je crois que c'est le niveau 5. Enfin, eux, ce qu'ils appellent 5 parce qu'il n'y a pas de 6. C'est celui qui est tout à droite quand vous rentrez dans le hub de Demon's Souls. Ça ressemble vraiment à ça, tu vois. Tout un empilement de bois les uns sur les autres à la Nawak. Putain, j'ai plus de vie, j'ai plus de propos, on crève. Je peux même pas essayer ça. Gagne des vies ou pas là. 13. Entendu du bruit. Oui. Tu veux bien rester là pour l'instant. Je sais pas si je descends. Tenue de l'ombre. Ah d'accord, je suis derrière le décor. En fait, ils savent pas où je suis. J'ai trop voulu jouer le malin. Et voilà. 22e mort. On va arrêter cette vidéo là. Donc pour le rappel, nous avons tué l'hydre, nous avons tué le roi des rats, et nous nous sommes fait défoncer dans la nouvelle ville qui ressemble vachement à celle de Demon's Souls. Mais pas tout à fait non plus, il faut bien l'avouer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous plaît. Si vous avez des commentaires à faire, faites-les, n'hésitez pas. Il sera bientôt disponible sur YouTube en plus, donc vous pouvez faire autant de commentaires que vous voulez. Vous pouvez dire combien je suis nul, il n'y a pas de souci, c'est vrai. J'assume totalement, hein, je ne suis pas un joueur professionnel, je fais ça pour m'amuser. Et donc je vous souhaite un très bon moment en tout cas. Et on va vous dire au revoir maintenant qu'on peut...
À bientôt.